I would like now to introduce Antoine Lilti from L'École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, whose publications include Le Monde des Salons, Sociabilité et Mondanité à Paris au XVIIIe siècle, and the forthcoming Figure publique, Les Origines de la Célébrité, 1750 à 1850. Merci. Merci à tous. Bonjour. Et alors, hier, j'ai assisté à une session qui, dans laquelle Simon Burroughs disait que la langue du XVIIIe siècle était le français. Et comme nous sommes par ailleurs à Montréal, je m'excuse, mais je vais faire ma présentation en français. Et donc, je sais que ça ne pose pas de problème pour aucun d'entre vous, mais simplement, comme je vais donner un certain nombre de citations, je vais vous les montrer aussi ici, comme ça simplifiera la lecture des citations. Et donc, malheureusement, je ne vais pas vous montrer d'image pour ceux qui pensent que la présentation PowerPoint, ça va être la récréation avec des images. Il y en aurait beaucoup à montrer sur la célébrité au XVIIIe siècle, mais aujourd'hui, je vais essentiellement me concentrer sur des textes, et donc vous verrez des citations et pas d'images. Alors, et par ailleurs, comme Darin et Tony, j'ai évidemment préparé un texte trop long et qui ne reste pas énormément de temps, donc il y aura peut-être des moments de flottement dans les moments où je vais couper des passages. Donc, dans l'histoire culturelle et intellectuelle de la France, comme vous le savez, la période qui va du milieu du 18e siècle au milieu du 19e siècle, disons pour aller vite, des Lumières au romantisme, et généralement c'est une période qui est présentée comme l'apogée du prestige social et intellectuel des écrivains. C'est le moment du sacre de l'écrivain, selon les termes célèbres de Paul Bénichou. L'affirmation d'un sacerdoce laïque assumé par les philosophes des Lumières, puis par les poètes romantiques. Alors il y a beaucoup de façons de raconter cette histoire du sacre de l'écrivain. Certains parlent par exemple de naissance de l'intellectuel pour les philosophes des Lumières. D'autres d'une autonomisation du champ littéraire, pour une perspective plus bourdieusienne, disons. D'autres encore insistent sur le fait que les mages romantiques, les poètes romantiques, viennent remplir un besoin de sublime et une fonction de guide spirituel que le désenchantement du monde a suscité. Et là, on retrouve des choses que Darin a développées sur le génie. Tous, en tout cas, s'accordent à voir dans les représentations du grand homme, du génie, de l'écrivain célèbre, depuis Voltaire jusqu'à Hugo, les manifestations les plus évidentes de cette apothéose littéraire, autant d'incarnations de la singularité exceptionnelle de certains individus, à l'époque même d'affirmation de l'égalité démocratique. Pourtant, si on s'intéresse à la figure tout à fait particulière de l'homme célèbre, il me semble qu'on trouve beaucoup de différences par rapport au grand homme ou au génie. C'est-à-dire, ce que je viens de décrire fonctionne très bien, il me semble, dans le modèle du génie ou du grand homme, parce que ce sont des figures extrêmement positives, marquées par une singularité exceptionnelle. La figure de l'écrivain célèbre est beaucoup plus ambivalente. En effet, le phénomène que désigne le terme de célébrité est un phénomène tout à fait nouveau au XVIIIe siècle, qui est tout à fait distinct de ce qu'était dans les périodes précédentes, aussi bien la réputation que la gloire, notamment parce que la gloire était essentiellement pensée sur un modèle posthume. Or, la célébrité, elle désigne le fait d'être très connu de son vivant par un public large et indéterminé de contemporains, dont la plupart ne connaissent de la personne célèbre que son nom, son visage et quelques traits ou anecdotes. Le développement de ce phénomène social qu'est la célébrité est indissociable, dans cette deuxième moitié du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, de la croissance de la presse, bien sûr, de la presse périodique, de phénomènes qui ont été maintenant bien étudiés, comme la commercialisation de la culture et des spectacles, des transformations de la culture visuelle dans les grandes métropoles européenne au XVIIIe siècle, puis nord-américaine au XIXe siècle. Pour le dire d'un mot, elle est un des aspects de la révolution médiatique qui s'engage à partir du XVIIIe siècle. Le terme même « célébrité »,
en français, mais aussi en anglais, prend son sens moderne, celui que j'utilise depuis deux minutes, dans les années 1720, et commence à être utilisé, à être employé plus systématiquement à partir des années 1750. Et le phénomène de la célébrité suscite toute une série de discussions, souvent embarrassées, beaucoup plus contradictoires qu'on ne le pense habituellement, pour essayer de définir ce phénomène. Pour tous les contemporains, il est évident que la célébrité est à la fois un signe de succès, une reconnaissance, et d'ailleurs elle apporte avec elle toute une série d'avantages matériels et symboliques, des satisfactions d'amour-propre, mais elle suscite aussi chez tous les commentateurs une intense méfiance, pour plusieurs raisons. Premièrement, elle apparaît à beaucoup comme une forme dégradée de la gloire, comme une grandeur peu légitime, liée à l'enthousiasme populaire et aux effets de mode, loin du jugement serein de la postérité. Deuxièmement, ceux-mêmes qui en font l'objet, ceux qui deviennent célèbres, la décrivent comme une condition dangereuse, beaucoup moins agréable qu'il n'y paraît au premier abord. Si bien que la critique des contraintes, des servitudes de la célébrité, devient un lieu commun, et c'est un lieu commun qui, ensuite, aujourd'hui, au XXe siècle, s'est beaucoup développé, mais ce qui est très intéressant, c'est que cette idée des contraintes, des désavantages de la célébrité, on le trouve très fortement développé dès le XVIIIe siècle, bien avant que les stars de cinéma soient harcelées par les paparazzi. En réalité, et alors, par exemple, c'est un exemple que je ne vais pas développer aujourd'hui, mais si vous regardez les relations de Voltaire avec Jean Hubert, vous apercevrez qu'il avait l'impression effectivement d'être harcelé par un spécialiste de son image privée qui risquait de le rendre ridicule aux yeux de tous. Donc ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que le regard ambivalent, souvent contradictoire, que portent les écrivains sur la célébrité, est un symptôme de leur rapport très ambigu au public, au moment même où celui-ci s'impose comme un acteur essentiel de la vie culturelle. Alors, je vais commencer par la fin de la période. C'est un peu une manière inhabituelle de faire pour un historien, mais je vais commencer donc dans les années 1840, au moment où Chateaubriand achève de rédiger et de corriger ses mémoires d'outre-tombe. Et dans les mémoires d'outre-tombe, il y a un passage qui m'intéresse énormément. C'est le chapitre dans lequel Chateaubriand raconte son accès à la célébrité, le moment où il est devenu célèbre avec la publication d'Atala. Or, quand Chateaubriand écrit ça dans ses mémoires, donc on est 30 ans après la publication d'Atala et le succès d'Atala en 1801, mais on est dans un moment où la question de la célébrité est redevenue d'une actualité considérable, notamment à cause de la vague du byronisme. La célébrité de Byron, non seulement en Angleterre, mais sur le continent et en France, elle a été un effet absolument considérable. Par ailleurs, dans les années 1840, c'est par exemple le grand moment de la célébrité de Liszt, hein, les concerts à Paris qui suscitent des réactions totalement délirantes que par exemple Heinrich Heine commande de manière très, très ironique. Donc, je vais passer sur d'autres choses, mais donc sur les mémoires d'outre-tombe, Chateaubriand donc consacre un chapitre à ce succès. Et ce qui est intéressant, c'est la façon dont Chateaubriand, dont vous savez tous qu'il était fasciné par son image publique, on disait qu'il était dévoré du démon de la publicité, ça c'est une citation de Jaucourt. Donc comment est-ce qu'il décrit ce moment où il est brutalement devenu célèbre? Ce sur quoi il insiste d'abord, c'est l'aspect de surprise, de nouveauté, la brutalité, la rapidité de la célébrité et le fait que c'est une célébrité qui est immédiatement une célébrité controversée, puisque ce que suscite la célébrité, c'est les critiques, les parodies, je cite parodies, caricatures, moqueries, m'accablées. Hein, donc la célébrité n'est pas du tout le résultat d'une admiration unanime, au contraire, elle est toujours un succès controversé, un peu scandaleux, le scandale étant un effet... étant toujours, presque toujours lié à la célébrité, un scandale qui alimente débats, querelles, apologies, et donc qui relance sans cesse l'effervescence autour du livre et de son auteur. Le vocabulaire qu'utilise Chateaubriand, et qui est toujours le vocabulaire de la célébrité dans ces années-là, c'est le bruit, le fracas, la mode.
Donc c'est très intéressant parce que ça veut dire que l'accès à la célébrité, ce n'est pas du tout l'aboutissement d'une ascension régulière vers les sommets du prestige littéraire, ce n'est pas la reconnaissance progressive d'un talent, mais c'est plutôt une, comme dit Chateaubriand, une apparition, presque, on pourrait presque dire une effraction, hein, une manière d'entrer violemment, brutalement dans le champ littéraire. Un auteur inconnu, qui à cette période-là est d'ailleurs illégalement en France, qui n'a même pas encore été rayé de la liste des émigrés, dont personne n'avait lu le premier livre, et qui tout d'un coup devient la star littéraire du moment. Alors cette célébrité si soudaine, si éloignée des carrières lentes et appliquées des hommes de lettres professionnels, se prête parfaitement au mythe romantique du héros impétueux et à la comparaison militaire. Hein, ce sont le triomphe prompt et rapide. Mais en même temps, du coup, elle pose le problème de sa légitimité. Et alors, déjà en 1819, alors je ne vais pas lire et commenter tout le passage, mais déjà dans un texte de 1819, il y a Chateaubriand réfléchissait sur l'ambiguïté de la célébrité. Et alors, j'insiste sur la fin, notamment, tant de méchants livres ont eu une vogue, un succès si prodigieux, quel prix peut-on attacher à une célébrité que l'on partage souvent avec une foule d'hommes médiocres ou déshonorés? Et ça, c'est un grand problème de la célébrité, c'est que la célébrité n'est pas un critère du mérite d'une œuvre, puisque chacun sait bien qu'il y a énormément de mauvais livres qui ont du succès, et énormément de mauvais auteurs qui sont célèbres pendant un moment, et dont la célébrité ne durera jamais. Donc, en fait, ce thème de la célébrité immédiate, beaucoup moins légitime que la gloire posthume, parce qu'elle n'a pas passé le test de la postérité, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est un thème extrêmement ancien. On le trouve déjà chez Cicéron avec l'opposition entre la gloria et la fama. Pétrarque, à la Renaissance, va le réaffirmer à plusieurs reprises. Mais ce qui a changé depuis le milieu du XVIIIe siècle, c'est que l'effet, justement, du public. Parce que le public est devenu un acteur légitime, il n'est plus tout à fait possible, en même temps, de totalement refuser ou d'évaluer ce jugement collectif. Et notamment pour tous les écrivains qui ont été frappés par la célébrité de Byron, ou avant lui de Rousseau, tout en étant convaincus que Byron est l'égal de Shakespeare, de ce point de vue-là, l'opposition entre gloire et célébrité devient extrêmement contradictoire. Deuxième difficulté, c'est que pour celui qui en fait l'expérience, la célébrité est à la fois grisante, parce qu'elle est une reconnaissance, mais elle est aussi inquiétante, parce qu'elle est une contrainte. Donc elle est à la fois un premier pas vers la gloire, mais elle est aussi un piège qui se referme sur l'écrivain. Hein, la célébrité transforme le statut d'un écrivain, son rapport aux autres. Alors voilà ce que écrit Chateaubriand donc, dans le chapitre des Mémoires d'Outre-Tombe dont je parlais. « Je cessais de vivre de moi-même et ma carrière publique commença. » Et vous voyez, dans tout ce passage, en fait, il va décrire à la fois l'ivresse et la difficulté. La tête me tourna. J'ignorais les jouissances de l'amour propre et j'en fus enivré. J'aimais la gloire comme une femme, comme un premier amour. Cependant, poltron que j'étais, mon effroi égalait ma passion. Conscrit, j'allais mal au feu. Ma sauvagerie naturelle, le doute que j'ai toujours eu de mon talent me rendait humble au milieu de mes triomphes. Je me dérobais à mon éclat. Je me promenais à l'écart, cherchant à éteindre l'auréole dont ma tête était couronnée. Alors, vous voyez, c'est un texte un peu compliqué, mais il y a cette idée que décrit Chateaubriand. Évidemment, il y a une part évidemment de coquetterie, on n'est pas obligé de prendre tout à fait pour argent comptant cette description, mais il y a l'idée que tout d'un coup, cette célébrité devient une contrainte, et ensuite, Chateaubriand va raconter longuement comment il se cache hein, pour ne pas être reconnu, pour fuir justement les effets de la célébrité, il va se réfugier dans des cafés où personne ne le connaît. Mais qu'est-ce qu'il va faire dans ces cafés? Il lit la presse pour voir s'il y a des comptes rendus de son livre. Donc, vous voyez, cette contradiction d'échapper au regard public, mais tout en étant évidemment grisé par son amour propre. Hein, donc il y a à la fois la célébrité, elle est à la fois une ivresse et elle est une menace. Alors ce que je n'ai pas le temps de vous développer ici, j'aurais voulu, bon, dans le texte, les développer un peu plus, c'est le fait que tout ce texte de Chateaubriand est hanté par la figure de Rousseau. La figure de Rousseau revient à beaucoup de reprises. Vous voyez bien que ce texte, d'ailleurs, est un texte qui avec des réminiscences rousseauistes, mais il y a des réminiscences rousseauistes beaucoup plus frappantes, et en particulier quand Chateaubriand évoque la question de l'érotisation de la célébrité. Hein. Jean-Jacques Rousseau parle des déclarations qu'il reçut à la publication de la Nouvelle Héloïse et des conquêtes qui lui étaient offertes.
Je ne sais si on m'aurait ainsi livré des empires, mais je sais que j'étais enseveli sous un amas de billets parfumés. Hein, et donc il va raconter, je vous laisse la citation, je ne la lis pas en entier, mais il raconte le nombre de... Il raconte même qu'il y avait des mères qui lui amenaient leur jeune fille, hein, en espérant le séduire. Et donc ça, c'est un autre lieu commun de la célébrité, mais qui est très intéressant parce que là aussi, on n'est pas sur le modèle de l'admiration littéraire ou intellectuelle, on est cette question très spécifique de la célébrité qui est le caractère de séduction et d'érotisation de la personne célèbre par rapport à son public. La célébrité ouvre une brèche dans la rationalité des relations sociales, elle transforme la personne célèbre en personnage public qui est le réceptacle de toute une série de fantasmes et notamment d'un désir d'intimité. L'érotisation, la volonté de séduire ou d'être séduit par cet homme célèbre dont on ne connaît que le nom et l'image, en fait, elle est la figure extrême d'un phénomène tout à fait lié à la célébrité, qui est ce désir d'intimité à distance que produit la relation médiatique qui est à la base de la célébrité. Alors, il n'est pas tout à fait étonnant que la référence à Rousseau vienne si naturellement sous la plume de Chateaubriand, et d'ailleurs pas seulement dans ce passage, mais à plusieurs moments lorsqu'il décrit sa célébrité. Pour les auteurs de la première moitié du XIXe siècle, Rousseau est la figure même de l'écrivain qui a vécu et décrit la célébrité comme une épreuve. Alors, je ne vais pas développer le cas de Rousseau, parce que je l'ai déjà commenté ailleurs, certains ont déjà entendu ou lu sur ce point. Je rappelle simplement pour tout le monde brièvement deux points. Premièrement, Rousseau, à partir de 1751, avec le premier discours, et plus encore après le succès de la Nouvelle Héloïse, en 61-62, est devenu une figure publique, un personnage extrêmement célèbre, dont les journaux racontent tous les faits et gestes, que des individus reconnaissent dans la rue, auxquels des lecteurs anonymes écrivent, dont on s'arrache les portraits gravés qu'on peut acheter un peu partout dans Paris. Et donc, la célébrité de Rousseau, notamment donc dans les deux dernières décennies de sa vie, ne relève plus seulement de la réputation littéraire. Elle est bien plus que cela, elle n'est plus du tout restreinte au monde des lettres et des savants. Il n'est plus seulement connu en tant qu'écrivain ou en tant que philosophe, il est devenu un personnage médiatique, Jean-Jacques, connu et reconnu, y compris par des gens qui ne lisent pas ses livres. Alors là, je vais quand même... Sur l'aspect strictement curiosité, c'est un extrait de la correspondance littéraire. Hein. C'est lors du retour de Rousseau à Paris en 1770. Donc il se promène, une foule prodigieuse. La populace, hein, voyez le terme, donc c'est évidemment une manière de disqualifier cette curiosité du public pour Rousseau. On demandait à la moitié de cette populace ce qu'elle faisait là. Elle répondait que c'était pour voir Jean-Jacques. On lui demandait ce que c'était que Jean-Jacques. Elle répondait qu'elle n'en savait rien, mais qu'il allait passer. Alors, vous voyez, c'est le... Là, on a vraiment l'impression d'être avec les gens qui attendent la célébrité dont on leur a dit, parce qu'ils ont vu un amas de photographes, alors ils veulent savoir qui c'est. Mais ça, c'est un des pôles de la célébrité de Rousseau. L'autre, comme vous le savez, c'est au contraire hein, l'enthousiasme extrême de toute une série de lecteurs, et là aussi ce désir d'intimité, et qui notamment va pousser énormément de lecteurs anonymes à faire le pas d'écrire à Rousseau, ou même sans lui écrire, simplement de considérer Jean-Jacques hein, comme leur ami personnel, alors même qu'ils ne l'ont jamais rencontré. Et vous avez sans doute tous en tête, évidemment, le cas de Jean Rançon, hein, étudié par Robert Darnton. Mais deuxième point, alors que Rousseau a longtemps recherché la célébrité, qu'il a tout fait pour façonner ce personnage public hautement reconnaissable, singulier, étonnant, avec son manteau d'Arménien, sa chape de fourrure, eh bien, très vite, il va voir dans la célébrité une malédiction, une aliénation. Il avait pensé qu'elle serait une revanche sociale et une arme contre les réseaux de la bonne société et du monde littéraire parisien. Il découvre qu'elle le soumet à la curiosité d'un public indiscret, qu'elle produit un personnage, Jean-Jacques, auquel il ne peut pas échapper, qui est à la fois lui sans être lui et sur lequel il n'a plus de contrôle. La célébrité l'oblige à vivre en permanence dans le regard des autres, mais non pas dans ce rapport direct et immédiat qui est son idéal de la relation interpersonnelle, mais au contraire à travers toute une série de médiations qui, évidemment, comme vous le savez tous, sont son cauchemar.
et ce que l'on a appelé souvent sa paranoïa, cette conviction d'être la victime d'un complot universel, à mes yeux, c'est avant tout la réaction à cette dissémination de sa figure publique, au sentiment d'être dépossédé de tout contrôle sur son image. Hein, c'est ce qu'il écrit dans le préambule non publié des Confessions. Mais je pourrais, alors là, sur Rousseau, il y a des dizaines et des dizaines de citations que je pourrais vous donner, mais celle-ci, par exemple, parmi mes contemporains, il est peu d'hommes dont le nom soit plus connu dans l'Europe et l'individu plus ignoré. Chacun me figurait à sa fantaisie sans craindre que l'original vint le démentir. Et on pourrait commenter très longuement, parce qu'il y a un jeu, évidemment, sur la question de l'image, sur la question de l'original, mais je suis obligé de passer. Alors, j'aurais voulu là revenir à Chateaubriand pour vous montrer comment Chateaubriand en fait réécrit cette hantise que Rousseau avait de la célébrité, mais il l'a réécrit sur un mode qui est à la fois une intertextualité évidente et explicite, mais aussi sur un mode plus distancé et plus ironique. Là où Rousseau est littéralement devenu fou par sa célébrité, lui, Chateaubriand en joue beaucoup plus. Je base, mais notamment il a cette formule qui servait le titre, il dit « la célébrité est un bénéfice à charge d'âme ». C'est une formule très ironique pour l'auteur quand même du génie du christianisme, d'autant que lorsqu'il décrit ensuite ses contraintes de la célébrité, c'est les relations mondaines qu'il est obligé d'entretenir avec la famille Bonaparte. Et donc il y a cette tension, la célébrité est un succès, mais elle impose toute une série de contraintes, qui sont à la fois des contraintes de représentation vis-à-vis d'un public de curieux ou d'admirateurs, mais qui peut être aussi, à charge d'âme, une responsabilité quasiment spirituelle par rapport à tous ceux qui, justement, font de l'homme célèbre à la fois un modèle ou un guide. Dans ce va-et-vient avec Rousseau et Chateaubriand, ce que je voulais vous montrer, là, je vais être obligé de passer, c'est le fait que cette période 1750-1850 est une période de réflexion intense sur la célébrité, dans laquelle la figure de Rousseau, en tout cas en France, est absolument structurante. Mais ce qui est important, c'est que Rousseau, évidemment, est la figure tout à fait extrême de cette perception de la célébrité, mais dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, beaucoup, beaucoup d'auteurs, on pourrait multiplier les auteurs et les citations, donc je ne vais pas le faire, j'aurais voulu vous donner l'exemple de Duclos dans les considérations sur les mœurs, j'aurais voulu vous parler de Champfort notamment, qui va passer beaucoup de temps à réfléchir sur la célébrité. Je dois signaler aussi qu'évidemment, ce n'est pas une réflexion spécifiquement française, on trouve en Angleterre notamment, par exemple chez Samuel Johnson, énormément de réflexions qui vont exactement dans le même sens de la célébrité, à la fois comme ressource et comme contrainte. Et enfin, je dois conclure sur le fait que peut-être le temps de vous donner une dernière citation, qui est celle de François de Neufchâteau, lorsque Voltaire, en 1778, revient à Paris. Vous savez, donc c'est le succès là, de Voltaire comme superstar à Paris en 78. François de Château lui rend visite et ensuite écrit au Journal de Paris une lettre qui va être publiée dans le Journal de Paris où il dit « J'ai rencontré Voltaire, c'était extraordinaire, c'est le plus grand moment de ma vie, mais je ne vous raconterai pas ce qu'il a dit parce que c'est insupportable, les journaux n'arrêtent pas de raconter tout ce que fait Voltaire. » Et il écrit « La célébrité a surtout l'inconvénient de faire naître autour de l'homme célèbre une espèce d'espionnage de ses actions, de ses paroles et de ses pensées. » Donc vous voyez déjà, se cristallise à ce moment-là, cette idée d'une contrainte. Alors, pour conclure, je me suis concentré le cas des écrivains, mais j'insiste sur un point, la célébrité n'est pas uniquement un phénomène littéraire. Les comédiens et les comédiennes, les chanteurs, les chanteuses ont été les premières figures publiques au XVIIIe siècle, mais on pourrait aussi parler des musiciens, des criminels, des courtisanes, des héros de faits divers, et surtout des politiques. La vie politique n'est pas restée à l'écart. Vous savez, pour prendre qu'un exemple, que l'un des leviers de l'accession au pouvoir de Bonaparte, comme l'avait bien vu Madame de Staël, était justement sa célébrité. Parce que, comme phénomène d'opinion, la célébrité traverse ces différents domaines d'activité. Elle apporte un critère radicalement autonome, aussi bien à l'égard du talent littéraire que de l'autorité politique traditionnelle. Elle égalise des grandeurs qui sont totalement différentes, et elle correspond au triomphe d'une nouvelle forme de communication qui n'est plus
la communication en face à face, mais une communication à distance, une communication qui n'est plus réciproque, mais qui est unilatérale. C'est la spécificité même de la communication médiatique par rapport aux formes traditionnelles de communication. Je m'appuie ici notamment sur le travail du sociologue anglais John B. Thompson. Et donc, de ce point de vue-là, cette forme de célébrité, elle est l'autre face de l'espace public. Non pas celle de la discussion critique et rationnelle, telle que théorisée dans l'espace public habermasien, mais celle de la curiosité publique et du désir d'intimité à distance produit par les médias modernes. Or, ces deux faces sont indissociables, et les deux sens du mot publicité, le fait de devenir public, mais aussi la publicité au sens commercial et de la réclame, comme on disait au XIXe siècle, témoignent de cette complexité. Ainsi, la célébrité est une forme de grandeur spécifiquement moderne, radicalement distincte de la gloire, qui était la grandeur d'origine aristocratique. Mais son paradoxe, c'est qu'elle n'ait jamais réussi véritablement à s'imposer comme une grandeur légitime de la modernité. Dès l'origine, elle est apparue comme une forme impure, illégitime, dangereuse de réussite personnelle. Et aujourd'hui encore, alors même que la célébrité a pris dans nos sociétés une telle ampleur, elle a conservé cette ambivalence. Elle est à la fois fascinante et méprisée. Elle est désirée pour le succès qu'elle représente, mais elle est aussi méprisée par les élites et crainte pour les servitudes qui lui sont attachées. Je vous remercie.